Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette lanterne solaire. Donc, c'est une lanterne solaire qu'on va pouvoir mettre dans une allée, à l'extérieur, une entrée, partout qu'on va avoir un repère. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Pour faire une jolie décoration aussi, parce qu'elle a un joli design, on va voir ça ensemble. Cette lanterne solaire, elle est vendue par G1000. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce haut. Si vous avez des questions à poser par rapport à la lanterne, posez-les en dessous, j'y répondrai dans les plus brefs délais. Et maintenant, je vous présente la lanterne et vous allez voir qu'elle va vous plaire. Elle est vraiment géniale. Joli design et vous allez voir, elle est vraiment très belle. Je vais la sortir de l'emballage pour qu'on la regarde ensemble. Donc voilà, je la mets comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, elle est très jolie. Donc elle est en métal brossé, comme vous pouvez le voir. Regardez. Hein, c'est cuivre en dessous, enfin ça donne un aspect cuivre avec de la peinture passée. C'est pour ça que je vous disais qu'elle avait un très joli design. Regardez ça, vraiment, elle est vraiment très sympathique. Hein. En dessous, alors en dessous, les trous c'est pour évacuer l'eau parce que c'est une lanterne que vous allez pouvoir positionner dehors. Donc, parce qu'elle est IP44, donc elle craint rien du tout. Vous pouvez laisser dehors toute la journée, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe. Hein. Voilà, vraiment très joli. Regardez au niveau aspect. Alors ici, vous avez la poignée pour l'accrocher. Vous allez pouvoir la fixer à quelque part. Alors ceux qui aiment les jolis objets un peu vintage, un peu vieillot, enfin qui donnent un bel aspect vieillot, ben voilà, ça c'est très joli. Vraiment très sympathique. Alors sur le dessus, ici, vous avez le panneau solaire. Et on va le loter, vous allez voir juste en dessous. Parce que ça c'est pareil, pour la nettoyer, vous pouvez le loter. Donc vous voyez que c'est maintenu ici par des clips. Hein. Voilà. Vous avez des clips et là, il y a la LED. Alors, ça va servir comme repère. C'est très bien pour faire du repérage, pour vous mettre dans une allée, pour repérer une allée, repérer une entrée, repérer un endroit où qu'on veut aller. Par contre, on pourra pas s'en servir comme éclairage pour manger en dessous parce que la lumière, elle est vraiment trop faible. C'est vraiment pour faire du repérage, donner un joli aspect à votre jardin, votre cour, votre allée, enfin voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, sur cette partie-ci, vous avez le panneau solaire qui est ici. Donc, très bien, hein, protégé. Regardez, au niveau finition, c'est parfait. Ça risque rien du tout. Hein. L'eau, elle peut pas s'infiltrer. C'est conçu pour. Ici, on a les clips pour le maintenir en place dans le support. Là, on a la LED qui est en dessous. On la voit, la LED. Regardez. Et on a la petite protection plastique qui va protéger la LED, qui va empêcher l'eau d'entrer. Ici, vous avez le bouton off-on qui est ici. Donc, on va mettre sur on. Voilà. Donc il ne se passe rien parce que là il fait jour, mais si je cache la partie solaire qui est ici, voilà, et vous voyez que la lumière se fait. Donc dès que la nuit va tomber, ça va se faire automatiquement, elle va se mettre en route et elle va éclairer là où vous voulez. Alors comme je vous disais, ça va servir de point de repère, ça va faire une jolie décoration dans votre jardin, dans votre allée, dans votre entrée. Par contre, ça n'éclairera pas si vous avez l'intention de manger en dessous, c'est pas ça qu'il vous faut, hein. C'est pas assez puissant. Donc voilà. Et vous voyez qu'est-ce que ça peut donner. Au travers. Donc dans l'incrustation qui est ici, vous pouvez voir la lampe solaire en fonctionnement de nuit. Vous pouvez voir que ça donne vraiment très bien. Hein. Ça fait joli, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que ça éclaire pas assez, comme je vous l'ai dit, pour manger en dessous. Mais joli design, jolie lampe, bel éclairage, ça fait un bel aspect. Alors pour ceux qui sont amoureux de la décoration et l'embellissement de leur jardin, leur allée, etc. Ça, c'est merveilleux. Donc c'est une lampe solaire, comme vous avez pu le voir, elle fonctionne très bien. Elle est vendue par G1000. C'est une lampe solaire que je vous conseille, sans aucun souci. Vous pouvez la laisser dehors, elle est IP44, donc elle ne craint rien du tout. Vous pouvez la laisser dehors, elle se recharge toute seule, elle se met en route toute seule. Elle est autonome, donc tranquille. Vous pouvez la fixer comme ça, la tenir comme ça, la poser comme elle est là, voilà. Et regardez au niveau design comment elle est jolie. Et sans blaguer, elle a de l'allure, hein. Avec son petit éclairage en plus, regardez, hop. Il suffit de mettre la main dessus, faire le noir et voilà, ça fonctionne sans aucun souci. Donc c'est une lampe que je vous conseille, sans aucun souci. Et au niveau économie d'énergie, ben voilà, vous éclairez sans aucun frais. L'énergie du soleil étant gratuite pour l'instant, profitez-en.